Welcome to the Rosetta Stone community of learners worldwide. To get you started, I'll take just a few... One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Bonjour. 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 Une fille. Un garçon. Une fille. Une fille. Un garçon. Un garçon. La fille mange. La fille boit. Le garçon boit. Le garçon boit. Le garçon mange. Le garçon mange. Une fille. Une fille. Une fille. Une fille. Un garçon. Un garçon. Un garçon. La fille boit. La fille boit. La fille boit. Le garçon boit. Le garçon boit. Le garçon boit. La fille mange. La fille mange. La fille mange. Le garçon mange. Le garçon mange. Le garçon mange. Une femme. Un homme, une femme. Une femme. Un homme. Un homme. Une femme. Une femme. Une femme. Un homme. Un homme. Homme. Un homme. La femme boit. La femme boit. La femme mange. La femme mange. L'homme mange. L'homme mange. L'homme boit. L'homme boit. Le garçon mange. Le garçon mange. L'homme mange. L'homme mange. La femme mange. La femme mange. La fille mange. La fille mange. L'homme boit. L'homme boit. La fille boit. La fille boit. L'homme mange. L'homme mange. La fille mange. La fille mange. La fille mange. La fille court. La fille court. L'homme court. L'homme court. La femme court. La femme court. Le garçon court. Le garçon court. L'homme lit. L'homme lit. La femme lit. La femme lit. Le garçon lit. Le garçon lit. La fille lit. La fille lit. La femme boit. La femme boit. La femme lit. La femme lit. La femme mange. La femme mange. La femme court. La femme court. Le garçon boit.
Le garçon boit. Le garçon lit. Le garçon lit. Le garçon mange. Le garçon mange. Le garçon court. Le garçon court. Le garçon mange. Le garçon mange. La fille boit. La fille boit. Les filles boivent. Les filles boivent. Les garçons mangent. Les garçons mangent. Les filles courent. Les filles courent. Les hommes boivent. Les hommes boivent. La fille court. La fille court. L'homme boit. L'homme boit. La femme mange. La femme mange. Les femmes mangent. Les femmes mangent. Le garçon lit. Le garçon lit. Les garçons lisent. Les garçons lisent. Les femmes lisent. Les femmes lisent. Les femmes lisent. Les hommes courent. Les hommes courent. Les hommes lisent. Les hommes lisent. Les femmes courent. Les femmes courent. Les filles lisent. Les filles lisent. Les femmes lisent. La femme lit. La femme lit. La fille lit. La fille lit. Des garçons. Des garçons. Des garçons. Des filles. Des filles. Des filles. Des filles. Des hommes. Des hommes. Des hommes. Des femmes. Des femmes. Des femmes. Une femme. Une femme. Des femmes. Des femmes. Un homme. Un homme. Des hommes. Des hommes. Garçon. Un garçon. Un garçon. Garçon. Des garçons. Des garçons. Fille. Une fille. Une fille. Fille. Des filles. Des filles. Les garçons mangent. Les garçons mangent. Les garçons mangent. Les filles courent. Les filles courent. Les filles courent. Les femmes boivent. Les femmes boivent. Les femmes boivent. Les hommes lisent. Les hommes lisent. Les hommes lisent. Ils mangent. Ils mangent. Elle boit. Elle boit. Elle lit. Elle lit. Il court. Il court.
Elle lit. Elle lit. Elle boit. Elle boit. Il court. Il court. Il mange. Il mange. Elle court. Elle court. Elle court. Ils lisent. Ils lisent. Ils lisent. Elle mange. Elle mange. Ils boivent. Ils boivent. Ils courent. Ils courent. Ils courent. Elle court. Elle court. Elle court. Elle court. Elle court. Elle court. Il cuisine. Il cuisine. Il cuisine. Il cuisine. Elle cuisine. Elle cuisine. Il cuisine. Les garçons nagent. Les garçons nagent. Les femmes nagent. Les femmes nagent. L'homme nage. L'homme nage. La fille nage. La fille nage. Les hommes mangent. Les hommes mangent. Les hommes. Les hommes mangent. Les hommes cuisinent. Les hommes cuisinent. L'homme mange. L'homme mange. L'homme mange. L'homme cuisine. L'homme cuisine. La femme nage. La femme nage. La femme court. La femme court. Les femmes courent. Les femmes courent. Les femmes nagent. Les femmes nagent. Ils nagent. Ils nagent. Ils nagent. Ils courent. Ils courent. Ils courent. Ils cuisinent. Ils cuisinent. Ils cuisinent. Ils mangent. Ils mangent. Ils mangent. Ils mangent. Il écrit. Il écrit. Elle écrit. Elle écrit. Ils écrivent. Ils écrivent. Ils mangent. Il mange. Il mange. Elle cuisine. Elle cuisine. Elle cuisine. Il nage. Il nage. Il nage. Elles écrivent. Elles écrivent. Elles écrivent. Ils lisent. Ils lisent. Ils lisent. Ils courent. Ils courent. Il court. Les filles écrivent. Les filles écrivent. Les filles écrivent. La fille écrit. La fille écrit. La fille écrit. La fille lit. La fille lit. Les filles lisent. Les filles lisent. Elle lit. Elle lit. Elle lit. Il boit. Il boit. Il boit. Elle écrit.
Elle écrit. Elle écrit. Il mange. Il mange. Il mange. Il mange. Elle boit. Elle mange. Il boit. Il mange. Il mange. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Fifty languages. Soixante-dix-sept. Soixante-dix-sept. Giving reasons, 3. Argumenter quelque chose, 3. Argumenter quelque chose, 3. Why aren't you eating the cake? Pourquoi ne mangez-vous pas la tarte? Pourquoi ne mangez-vous pas la tarte? I must lose weight. Je dois maigrir. Je dois maigrir. I'm not eating it because I must lose weight. Je ne la mange pas parce que je dois maigrir. Je ne la mange pas parce que je dois maigrir. Why aren't you drinking the beer? Pourquoi ne buvez-vous pas la bière? Pourquoi ne buvez-vous pas la bière? I have to drive. Je dois encore conduire. Je dois encore conduire. I'm not drinking it because I have to drive. Je ne la bois pas parce que je dois encore conduire. Je ne la bois pas parce que je dois encore conduire. Why aren't you drinking the coffee? Pourquoi ne bois-tu pas le café? Pourquoi ne bois-tu pas le café? It is cold. Il est froid. Il est froid. I'm not drinking it because it is cold. Je ne le bois pas parce qu'il est froid. Je ne le bois pas parce qu'il est froid. Why aren't you drinking the tea? Pourquoi ne bois-tu pas le thé? Pourquoi ne bois-tu pas le thé? I have no sugar. Je n'ai pas de sucre. Je n'ai pas de sucre. I'm not drinking it because I don't have any sugar. Je ne le bois pas parce que je n'ai pas de sucre. Je ne le bois pas parce que je n'ai pas de sucre. Why aren't you eating the soup? Pourquoi ne mangez-vous pas la soupe? Pourquoi ne mangez-vous pas la soupe? I didn't order it. Je ne l'ai pas commandé. Je ne l'ai pas commandé. I'm not eating it because I didn't order it. Je ne la mange pas parce que je ne l'ai pas commandé. Je ne la mange pas parce que je ne l'ai pas commandé. Why don't you eat the meat? Pourquoi ne mangez-vous pas la viande? Pourquoi ne mangez-vous pas la viande? I am a vegetarian. Je suis végétarien. Je suis végétarienne. Je suis végétarienne. I'm not eating it because I'm a vegetarian. Je ne la mange pas parce que je suis végétarien, végétarienne. Je ne la mange pas parce que je suis végétarienne. Welcome to the short tour of Rocket French premium courses.
Before we get started, though, I've got some breaking news. Recently, Rocket French was awarded the Editor's Choice by PC Mag in the Language Learning Products category. This prestigious award means that PC Mag rates our courses above all our competitors. What's different about us? Here at Rocket French, we want to get you speaking French quickly and easily with a perfect accent. We also want you understanding French while cutting your learning time by up to 50% and having fun while you're at it. So, how does Rocket Languages get you speaking confidently right from the first lesson? It's well known that the best way to learn something is by doing. The backbone of every Rocket Languages course is interactive audio lessons. There are 30 or more repeatable lessons in each course. Averaging over 25 minutes in length, these lessons encourage you to speak out loud and interact with the fun native hosts. These lessons use a scientific process called chunking. That means we break down everyday conversation into small segments so your mind can more easily absorb them. The chunking method allows you to work on your conversational skills in the privacy of your own home. You'll quickly overcome your fear of saying the wrong thing. And because you can download all the audio lessons, you can also use your course at the gym, while you're traveling overseas, in your car or on the subway during your daily commute, or anywhere your laptop, smartphone, or MP3 player goes. Now you can sound like you are a native speaker with Rocket Record. Rocket Record is Rocket Language's voice comparison tool. Rocket Record lets you listen to thousands of different words and phrases. Then you can record yourself and play it back to hear how you sound compared to the native speaker. Next, overlay your audio with theirs to get an exact match. That's a fantastic way to increase the number of words and phrases you know while massively improving your pronunciation and accent. Here's what Rocket Languages member Jim had to say about Rocket Record. The instructions are clear and concise, and Rocket Record is great for comparing my pronunciation to that of the native speakers. It's great to watch your pronunciation improve with this part of the program. Well, I could go on forever, but I will stop here. I would just like to say thanks for a great product. Here's how we get you understanding the spoken language. There are just 3 steps to dramatically improving your understanding. First, there are 30-plus language and culture lessons. These lessons make learning the language rules as easy as can be. You'll learn to understand exactly how the language works by exploring these lessons. Plus, the culture lessons give you valuable insights into the people. Designed to make it as easy as possible to absorb the do's and don'ts, these lessons include step-by-step explanations, lots of extra vocabulary audio tracks, and the amazing Rocket Record to make sure you always know just what to say and exactly how to say it. Next, test how well you understand a native speaker. Training your ear can be one of the things that learners find the hardest to master. Our testing tool, Hear It, Say It, plays you a randomly selected track from within each lesson. After listening to this track, you're prompted to record yourself saying the word or phrase. Compare yourself to the native speaker and then rate how well you understand what the speaker was saying. This is a very powerful tool to tune your ear. Then, really put yourself on the spot. Now, it's really embarrassing when someone is talking to you and your mind freezes when it's your turn to speak. That's why we developed Know It. Know It randomly selects English words and phrases from each lesson for you to translate and record. Then you compare your speech to the native speaker and rate how well you did. You really need to know your stuff for this one, but the benefits are huge. You'll soon improve how quickly you can come up with just the right thing to say. And this is how we cut your learning time in half. At Rocket Languages, we understand that your time is precious, and language learning needs to fit into your lifestyle. That's why we have some key ways for you to cut your learning time in half and make your language learning easier and more enjoyable. First, make sure to use our progress tracking and lesson recommendations. Your Rocket Languages course comes with a personalized dashboard that walks you through the course so you can hit the ground running, tracks your progress, suggests the best lessons for your learning style, and gives you your overall progress at a glance. Of course, you're always free to choose your own path based on your own learning goals. That flexibility is a key part of what makes Rocket Languages courses great.
Then, discover some advanced learning techniques to make learning quicker and easier. Sometimes you need a little support getting the most out of your learning. Some techniques, tips, and tricks to help you along. After all, everyone's learning style is a little different. That's why our courses have a section full of advanced learning techniques. By reading and implementing the suggestions in these articles and selecting the techniques that work for you, you can cut your learning time by up to 50%. For example, it's been scientifically proven that if you set up a themed study area or room with lots of pictures, words, souvenirs, etc., your recall will be significantly better. The rationale is that if you learn in a particular environment, your recall will be improved in a separate but similar environment. So, what happens if you get stuck? In many ways, learning a new language is like learning anything new in life. You shouldn't be afraid to ask for help when you need it, and you should take the opportunity to share your experiences and enthusiasm with fellow learners. When you learn with Rocket Languages, you get unlimited 24/7 online access to My Forum, the online community space. Our team of teachers and tutors, native speakers, and fellow language learning enthusiasts will answer all your language learning questions. We'll be with you every step of the way. It's just like having your own language teacher virtually on call. We also have a members hotline for any technical issues that may arise. Members get preferential customer service because we want any issues resolved fast. Now, how about a bit of fun? One thing we've heard over and over again is that language learning can be boring. In fact, that's the number one reason that most people just give up. At Rocket Languages, we want you to really enjoy your language learning journey. That's why our course is conversation-based, and we're not talking boring conversations about how the rain in Spain falls mainly on the plane. Not here. At Rocket Languages, these are real-life conversations about useful, real-world things. Conversations that you can actually use. Conversations designed to get you speaking right from the very first lesson. What could be more fun than playing games? Now, it's well documented that one of the best ways to learn is to have fun doing it. The Master's Games are just the thing to get you learning words and phrases in a fun way. WordMaster helps you understand how the sounds made by native speakers translate into letters and words on the page. Soon you'll be able to take that information away and apply it to other words you hear and be able to write them, too. PhraseMaster goes a step further by teaching you how the words fit together to create practical phrases. You'll quickly notice the patterns and conventions that apply when speaking and writing. You'll soon be able to apply them to your regular language learning. So, how do you get motivated and stay motivated? My Badges is the Rocket Languages point system. It empowers you to increase your learning status by completing key elements of the course. Just by using all the different features of the course, you can move from being a novice all the way through to a guru and beyond. And each time you move up a level, you get a new badge to display in your profile. And for the competitive among you, keep an eye on the leaderboard to find out how you compare to other learners. Here's what Rocket Languages member Remsey had to say about our leaderboard. I just gotta say I really like the leaderboard. It's like the ultimate motivation tool for me because I have to find the balance between studying really hard and trying to accumulate points. But I also have to make sure I'm not just rushing to get points. We want success to be your only option. With Rocket Languages, you can learn a new language and save hundreds of dollars. Private tuition can cost $50 per hour and more. If you went to a tutor for just 2 hours per week for 3 months, you'd already be spending $1,200. What if you didn't need a real-life tutor at all? Or how much could you save with a virtual one? Simply stated, Rocket Languages courses are the best value language learning program on the market. In a recent survey of our members, we asked, do you think Rocket French was good value for money? And 97% said yes. So, why wait? Join the over 1 million people who love learning with Rocket Languages today. Just click on the link on the right and you're on your way. Hi there, this is Steve. And I did three videos on how I use link for check in response to a request.
And then it dawned on me that very few people are studying Czech, so I thought I might do it for French, and maybe I'll try it for Spanish and Japanese and other languages if people are interested. The first video I did was where to get the content. Well, in French, if we begin in our library, we can see that, say, at the intermediate level, there are a variety of content items available, some dealing with prononciation, les villes françaises, allô Marianne, Comte de Charles Perrault, voilà, améliorer vos écrits en français, lots of different things. If we prefer, we can look at, advanced stuff, you know, if we're more advanced. We've still got some pronunciation things there. La France, problème, les Celtes, les origines. So, French Audio Gazette, there's a lot of different things. Now, I want to have a look. And the other thing I should point out is that on this library page, in all the languages, we have this import bookmarklet. And what you do with that is you grab it and you drag it up to your toolbar. I'm not going to do it because I've already done it. And then, and I'll demonstrate it later, if you want to read from Le Monde or some other newspaper or anything you can find online, you just highlight it and it automatically comes in as a lesson to link. On our library page, you can also search, all right? So I'm not going to spend any more time on that. Let us look at a lesson which I set aside, which I think is a very interesting lesson because it's a conversation between one of our learners, Serge, who's in France, and another one of our learners, Marguerite, who is in Montreal. And they deliberately set this up because it's an opportunity to hear both a French accent and a Québécois or Canadian accent. So we'll play a little bit of the sound here. Salut Marguerite. Bonjour Serge. Est-ce que tu sais pourquoi je t'appelle? Oui, je sais pourquoi tu m'appelles. Donc, c'est pas une surprise. Okay, so it's a very casual, pleasant discussion. Quite a collection that they're putting together. And it's an example of the kind of content that we have at Link. And I'm going to go back into this text later on and explain to you how I would use this text, how I would study from it. But I did want to show you how the bookmarklet works. Now, I happen to have the bookmarklet, it's kind of off the screen here, already on my computer. So I'm going to go to Le Monde, which I have in another tab here, and open up an article in Le Monde. And here we go, and it's about Muslims in France. And we grab however much of it we want, and highlight it. And then I just click on my bookmarklet. And here we go. And sometimes, because we had a problem that the bookmarklet was recognizing other characters and putting it into English instead of French or Russian or whatever, you confirm that it in fact is French, you click import, and this will now open up as a new lesson. Now, you can also import, here it is, we have the same article already in, ready to go. Now, the other way you can import is if you have a source of content where you have both audio and text, you can go to import, click on import, and in my case, I have imported a variety of items here, but you can choose to open a new collection. And the advantage of this import feature is that you can use material that is under copyright because you're not going to share it. If you were creating your own, or if you had content that you had obtained permission to use to share in our library, then you would share it. But most of the time we're importing things for our own use, in which case we go to the import collection, we press on collection, because it's an advantage to have things in a collection so that you can easily go from one to two to three. Now, I'm not going to continue here, but you would have to continue it. You want to confirm that's in French because you are in French. And then you would bring it in and you would obviously copy and paste the text. And then you would copy the link to the audio file. And you will see that when you import material, you identify the audio file. And
all of a sudden you have a lesson ready to go. If, as I say, it's not under copyright, you can share it with other members. On the other hand, if it is copyrighted, then all you can do with it is study it yourself. So I think that's enough insofar as, you know, how to deal with content. And in the next session, I will start studying a couple of these lessons and show you how I would do that. So thank you for listening, and we're on to the next. 97 97 97 Conjunctions 4 Conjonction 4 Conjonction 4 He fell asleep although the TV was on. Il s'est endormi quoique la télévision ait été allumée. Il s'est endormi quoique la télévision ait été allumée. He stayed a while, although it was late. Il est encore resté, quoiqu'il était déjà tard. Il est encore resté, quoiqu'il était déjà tard. He didn't come, although we had made an appointment. Il n'est pas venu, quoique nous nous soyons donné rendez-vous. Il n'est pas venu, quoique nous nous soyons donné rendez-vous. The TV was on. Nevertheless, he fell asleep. La télévision était allumée. Malgré tout, il s'est endormi. La télévision était allumée. Malgré tout, il s'est endormi. It was already late. Nevertheless, he stayed a while. Il était déjà tard. Malgré tout, il est encore resté. Il était déjà tard. Malgré tout, il est encore resté. We had made an appointment. Nevertheless, he didn't come. Nous nous étions donné rendez-vous. Malgré tout, il n'est pas venu. Nous nous étions donné rendez-vous. Malgré tout, il n'est pas venu. Although he has no license, he drives the car. Quoiqu'il n'ait pas de permis de conduire, il va en voiture. Quoiqu'il n'ait pas de permis de conduire, il va en voiture. Although the road is slippery, he drives so fast. Quoique la route soit verglacée, il roule vite. Quoique la route soit verglacée, il roule vite. Although he is drunk, he rides his bicycle. Quoiqu'il soit ivre, il fait de la bicyclette. Quoiqu'il soit ivre, il fait de la bicyclette. Despite having no license, he drives the car. Il n'a pas de permis de conduire. Malgré tout, il va en voiture. Il n'a pas de permis de conduire. Malgré tout, il va en voiture. Despite the road being slippery, he drives fast. La route est verglacée. Malgré tout, il roule vite. La route est verglacée. Malgré tout, il roule vite. Despite being drunk, he rides the bike. Il est ivre. Malgré tout, il fait de la bicyclette. Il est ivre. Malgré tout, il fait de la bicyclette. Although she went to college, she can't find a job. Elle ne trouve aucun emploi, quoiqu'elle ait fait des études. Elle ne trouve aucun emploi, quoiqu'elle ait fait des études. Although she is in pain, she doesn't go to the doctor. Elle ne va pas chez le médecin, quoiqu'elle souffre. Elle ne va pas chez le médecin, quoiqu'elle souffre.
Although she has no money, she buys a car. Elle achète une voiture, quoiqu'elle n'ait pas d'argent. Elle achète une voiture, quoiqu'elle n'ait pas d'argent. She went to college. Nevertheless, she can't find a job. Elle a fait des études. Malgré tout, elle n'a pas trouvé d'emploi. Elle a fait des études. Malgré tout, elle n'a pas trouvé d'emploi. She is in pain. Nevertheless, she doesn't go to the doctor. Elle souffre. Malgré tout, elle ne va pas chez le médecin. Elle souffre. Malgré tout, elle ne va pas chez le médecin. She has no money. Nevertheless, she buys a car. Elle n'a pas d'argent. Malgré tout, elle achète une voiture. Elle n'a pas d'argent. Malgré tout, elle achète une voiture. 83. 83. 83. Past tense 3. Passé 3. Passé 3. To make a call. Téléphoner. Téléphoner. I made a call. J'ai téléphoné. J'ai téléphoné. I was talking on the phone all the time. J'ai téléphoné tout le temps. J'ai téléphoné tout le temps. To ask. Demander. Demander. I asked. J'ai demandé. J'ai demandé. I always asked. J'ai toujours demandé. J'ai toujours demandé. To narrate. Raconter. Raconter. I narrated. J'ai raconté. J'ai raconté. I narrated the whole story. J'ai raconté toute l'histoire. J'ai raconté toute l'histoire. To study. Étudier. Étudier. I studied. J'ai étudié. J'ai étudié. I studied the whole evening. J'ai étudié toute la soirée. J'ai étudié toute la soirée. To work. Travailler. Travailler. I worked. J'ai travaillé. J'ai travaillé. I worked all day long. J'ai travaillé toute la journée. J'ai travaillé toute la journée. To eat. Manger. Manger. I ate. J'ai mangé. J'ai mangé. I ate all the food. J'ai mangé tout le repas. J'ai mangé tout le repas. Forty-seven. Quarante-sept. Quarante-sept. Preparing a trip. Les préparations de voyage. Les préparations de voyage. You have to pack our suitcase. Tu dois faire notre valise. Tu dois faire notre valise. Don't forget anything. Tu ne dois rien oublier. Tu ne dois rien oublier. You need a big suitcase. Tu as besoin d'une grande valise.
Tu as besoin d'une grande valise. Don't forget your passport. N'oublie pas ton passeport. N'oublie pas ton passeport. Don't forget your ticket. N'oublie pas ton billet d'avion. N'oublie pas ton billet d'avion. Don't forget your traveler's checks. N'oublie pas tes chèques de voyage. N'oublie pas tes chèques de voyage. Take some suntan lotion with you. Amène la crème solaire. Amène la crème solaire. Take the sunglasses with you. Amène les lunettes de soleil. Amène les lunettes de soleil. Take the sun hat with you. Amène le chapeau de soleil. Amène le chapeau de soleil. Do you want to take a road map? Veux-tu amener une carte routière? Veux-tu amener une carte routière? Do you want to take a traveler guide? Veux-tu amener un guide de voyage? Veux-tu amener un guide de voyage? Do you want to take an umbrella? Veux-tu amener un parapluie? Veux-tu amener un parapluie? Remember to take pants, shirts and socks. Pense aux pantalons, aux chemises et aux chaussettes. Pense aux pantalons, aux chemises et aux chaussettes. Remember to take ties, belts and sports jackets. Pense aux cravates, aux ceintures et aux vestons. Pense aux cravates, aux ceintures et aux vestons. Remember to take pajamas, nightgowns and t-shirts. Pense aux pyjamas, aux chemises de nuit et aux t-shirts. Pense aux pyjamas, aux chemises de nuit et aux t-shirts. You need shoes, sandals and boots. Tu as besoin de chaussures, de sandales et de bottes. Tu as besoin de chaussures, de sandales et de bottes. You need handkerchiefs, soap and a nail clipper. Tu as besoin de mouchoirs, de savon et d'un coupe-ongles. Tu as besoin de mouchoirs, de savon et d'un coupe-ongles. You need a comb, a toothbrush and toothpaste. Tu as besoin d'un peigne, d'une brosse à dents et du dentifrice. Tu as besoin d'un peigne, d'une brosse à dents et du dentifrice. 8. 8. 8. The time. L'heure. L'heure. Excuse me. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. What time is it, please? Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. It is 1 o'clock. Il est 1 heure. Il est 1 heure. It is 2 o'clock. Il est 2 heures. Il est 2 heures. It is 3 o'clock. Il est 3 heures. Il est 3 heures. It is 4 o'clock. Il est 4 heures.
Il est 4 heures. It is 5 o'clock. Il est 5 heures. Il est 5 heures. It is 6 o'clock. Il est 6 heures. Il est 6 heures. It is 7 o'clock. Il est 7 heures. Il est 7 heures. It is 8 o'clock. Il est 8 heures. Il est 8 heures. It is 9 o'clock. Il est 9 heures. Il est 9 heures. It is 10 o'clock. Il est 10 heures. Il est 10 heures. It is 11 o'clock. Il est 11 heures. Il est 11 heures. It is 12 o'clock. Il est 12 heures. Il est 12 heures. A minute has 60 seconds. Une minute a 60 secondes. Une minute a 60 secondes. An hour has 60 minutes. Une heure a 60 minutes. Une heure a 60 minutes. A day has 24 hours. Un jour a 24 heures. Un jour a 24 heures. Quatre-vingt-douze. Subordinate clauses, that, to. Subordonné avec que, de. Subordonné avec que, de. I'm angry that you snore. Cela me fâche que tu ronfles. Cela me fâche que tu ronfles. I'm angry that you drink so much beer. Cela me fâche que tu boives autant de bière. Cela me fâche que tu boives autant de bière. I'm angry that you come so late. Cela me fâche que tu arrives si tard. Cela me fâche que tu arrives si tard. I think he needs a doctor. Je crois qu'il a besoin d'un médecin. Je crois qu'il a besoin d'un médecin. I think he is ill. Je crois qu'il est malade. Je crois qu'il est malade. I think he is sleeping now. Je crois qu'il est en train de dormir. Je crois qu'il est en train de dormir. We hope that he marries our daughter. Nous espérons que notre fille se mariera. Nous espérons que notre fille se mariera. We hope that he has a lot of money. Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. We hope that he is a millionaire. Nous espérons qu'il est millionnaire. Nous espérons qu'il est millionnaire. I heard that your wife had an accident. J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. I heard that she is in the hospital. J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital.
J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. I heard that your car is completely wrecked. J'ai entendu que ta voiture est complètement détruite. J'ai entendu que ta voiture est complètement détruite. I'm happy that you came. Je me réjouis que vous soyez venu. Je me réjouis que vous soyez venu. I'm happy that you are interested. Je me réjouis que vous soyez intéressé. Je me réjouis que vous soyez intéressé. I'm happy that you want to buy the house. Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. I'm afraid the last bus has already gone. Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. I'm afraid we will have to take a taxi. Je crains que nous ne puissions prendre un taxi. Je crains que nous ne puissions prendre un taxi. I'm afraid I have no more money. Je crains de ne pas avoir d'argent. 54. 54. 54. Shopping. Faire du shopping. Faire du shopping. I want to buy a present. Je voudrais acheter un cadeau. Je voudrais acheter un cadeau. But nothing too expensive. Mais pas trop cher. Mais pas trop cher. Maybe a handbag. Peut-être un sac à main. Peut-être un sac à main. Which color would you like? Quelle couleur désirez-vous? Quelle couleur désirez-vous? Black, brown, or white? Noir, brun ou blanc? Noir, brun ou blanc? A large one or a small one? Un grand ou un petit? Un grand ou un petit? May I see this one, please? Est-ce que je peux voir celui-ci? Est-ce que je peux voir celui-ci? Is it made of leather? Est-il en cuir? Est-il en cuir? Or is it made of plastic? Ou en matière synthétique? Ou en matière synthétique? Of leather, of course. En cuir véritable. En cuir véritable. This is very good quality. C'est de la très bonne qualité. C'est de la très bonne qualité. And the bag is really very reasonable. Et le sac est vraiment à un prix très avantageux. Et le sac est vraiment à un prix très avantageux. I like it. Il me plaît bien. Il me plaît bien. I'll take it. Je le prends. Je le prends. Can I exchange it if needed? Puis-je éventuellement l'échanger? Puis-je éventuellement l'échanger? Of course. Bien sûr. Bien sûr. We'll gift wrap it.
Nous vous faisons un paquet cadeau. Nous vous faisons un paquet cadeau. The cashier is over there. La caisse est par derrière. La caisse est derrière. Soixante-deux. Asking questions. 1. Poser des questions. Poser des questions. 1. To learn. Apprendre. Apprendre. Do the students learn a lot? Les élèves apprennent-ils beaucoup? Les élèves apprennent-ils beaucoup? No, they learn a little. Non, ils apprennent peu. Non, ils apprennent peu. To ask. Demander. Demander. Do you often ask the teacher questions? Posez-vous souvent des questions à votre instituteur? Demandez-vous souvent votre instituteur? No, I don't ask him questions often. Non, je ne le demande pas souvent. Non, je ne le demande pas souvent. To reply. Répondre. Répondre. Please reply. Répondez, s'il vous plaît. Répondez, s'il vous plaît. I reply. Je réponds. Je réponds. To work. Travailler. Travailler. Is he working right now? Travaille-t-il en ce moment? Travaille-t-il en ce moment? Yes, he is working right now. Oui, il travaille en ce moment. Oui, il travaille en ce moment. To come. Venir. Venir. Are you coming? Venez-vous? Venez-vous? Yes, we are coming soon. Oui, nous arrivons tout de suite. Oui, nous arrivons tout de suite. To live. Habiter. Habiter. Do you live in Berlin? Habitez-vous à Berlin? Habitez-vous à Berlin? Yes, I live in Berlin. Oui, j'habite à Berlin. Oui, j'habite à Berlin. Quarante-deux. City tour. La visite de la ville. La visite de la ville. Is the market open on Sundays? Est-ce que le marché est ouvert le dimanche? Est-ce que le marché est ouvert le dimanche? Is the fair open on Mondays? Est-ce que la foire est ouverte le lundi? Est-ce que la foire est ouverte le lundi? Is the exhibition open on Tuesdays? Est-ce que l'exposition est ouverte le mardi? Est-ce que l'exposition est ouverte le mardi? Is the zoo open on Wednesdays?
Le zoo ouvre-t-il le mercredi? Le zoo ouvre-t-il le mercredi? Is the museum open on Thursdays? Le musée ouvre-t-il le jeudi? Le musée ouvre-t-il le jeudi? Is the gallery open on Fridays? La galerie ouvre-t-elle le vendredi? La galerie ouvre-t-elle le vendredi? Can one take photographs? Peut-on photographier? Peut-on photographier? Does one have to pay an entrance fee? L'entrée est-elle payante? L'entrée est-elle payante? How much is the entrance fee? Combien coûte l'entrée? Combien coûte l'entrée? Is there a discount for groups? Y a-t-il une réduction pour les groupes? Y a-t-il une réduction pour les groupes? Is there a discount for children? Y a-t-il une réduction pour les enfants? Y a-t-il une réduction pour les enfants? Is there a discount for students? Y a-t-il une réduction pour les étudiants? Y a-t-il une réduction pour les étudiants? What building is that? Quel est ce bâtiment? Quel est ce bâtiment? How old is the building? De quand date ce bâtiment? De quand date ce bâtiment? Who built the building? Qui a construit ce bâtiment? Qui a construit ce bâtiment? I'm interested in architecture. Je m'intéresse à l'architecture. Je m'intéresse à l'architecture. I'm interested in art. Je m'intéresse à l'art. Je m'intéresse à l'art. I'm interested in paintings. Je m'intéresse à la peinture. Je m'intéresse. 9 Days of the week. Les jours de la semaine. Les jours de la semaine. Monday. Le lundi. Le lundi. Tuesday. Le mardi. Le mardi. Wednesday. Le mercredi. Le mercredi. Thursday. Le jeudi. Le jeudi. Friday. Le vendredi. Le vendredi. Saturday. Le samedi. Le samedi. Sunday. Le dimanche. Le dimanche. The week. La semaine. La semaine. From Monday to Sunday. Du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche. The first day is Monday. Le premier jour est le lundi. Le premier jour est le lundi. The second day is Tuesday. Le deuxième jour est le mardi. Le deuxième jour est le mardi.
The third day is Wednesday. Le troisième jour est le mercredi. Le troisième jour est le mercredi. The fourth day is Thursday. Le quatrième jour est le jeudi. Le quatrième jour est le jeudi. The fifth day is Friday. Le cinquième jour est le vendredi. Le cinquième jour est le vendredi. The sixth day is Saturday. Le sixième jour est le samedi. Le sixième jour est le samedi. The seventh day is Sunday. Le septième jour est le dimanche. Le septième jour est le dimanche. The week has seven days. La semaine a sept jours. La semaine a sept jours. We only work for 5 days. Nous ne travaillons que 5 jours. Nous ne travaillons que 5 jours. Vingt-six. In nature. Dans la nature. Dans la nature. Do you see the tower there? Vois-tu la tour? Vois-tu la tour? Do you see the mountain there? Vois-tu la montagne? Vois-tu la montagne? Do you see the village there? Vois-tu le village? Vois-tu le village? Do you see the river there? Vois-tu la rivière? Vois-tu la rivière? Do you see the bridge there? Vois-tu le pont? Vois-tu le pont? Do you see the lake there? Vois-tu le lac? Vois-tu le lac? I like that bird. Cet oiseau me plaît. Cet oiseau me plaît. I like that tree. Cet arbre me plaît. Cet arbre me plaît. I like this stone. Cette pierre me plaît. Cette pierre me plaît. I like that park. Ce parc me plaît. Ce parc me plaît. I like that garden. Ce jardin me plaît. Ce jardin me plaît. I like this flower. Cette fleur me plaît. Cette fleur me plaît. I find that pretty. Je trouve ça joli. Je trouve ça joli. I find that interesting. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. I find that gorgeous. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. I find that ugly. Je trouve ça laid. Je trouve ça laid. I find that boring. Je trouve ça ennuyeux. Je trouve ça ennuyeux. I find that terrible. Je trouve ça affreux. Je trouve ça affreux. 71. 71. 71.
To want something. Vouloir quelque chose. Vouloir quelque chose. What do you want to do? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Do you want to play soccer? Est-ce que vous voulez jouer au football? Est-ce que vous voulez jouer au football? Do you want to visit friends? Est-ce que vous voulez rendre visite à des amis? Est-ce que vous voulez rendre visite à des amis? To want. Vouloir. Vouloir. I don't want to arrive late. Je ne veux pas arriver en retard. Je ne veux pas arriver en retard. I don't want to go there. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. I want to go home. Je veux aller à la maison. Je veux aller à la maison. I want to stay at home. Je veux rester à la maison. Je veux rester à la maison. I want to be alone. Je veux être seul. Je veux être seul. Do you want to stay here? Veux-tu rester ici? Veux-tu rester ici? Do you want to eat here? Veux-tu manger ici? Veux-tu manger ici? Do you want to sleep here? Veux-tu dormir ici? Veux-tu dormir ici? Do you want to leave tomorrow? Voulez-vous partir demain? Voulez-vous partir demain? Do you want to stay till tomorrow? Voulez-vous rester jusqu'à demain? Voulez-vous rester jusqu'à demain? Do you want to pay the bill only tomorrow? Voulez-vous régler la note seulement demain? Voulez-vous régler la note seulement demain? Do you want to go to the disco? Voulez-vous aller à la discothèque? Voulez-vous aller à la discothèque? Do you want to go to the cinema? Voulez-vous aller au cinéma? Voulez-vous aller au cinéma? Do you want to go to a cafe? Voulez-vous aller au café? Voulez-vous aller au café? 73. 73. 73. To be allowed to. Avoir le droit de faire quelque chose. Avoir le droit de faire quelque chose. Are you already allowed to drive? Est-ce que tu peux déjà conduire une voiture? Est-ce que tu peux déjà conduire une voiture? Are you already allowed to drink alcohol? Est-ce que tu peux déjà boire de l'alcool? Est-ce que tu peux déjà boire de l'alcool? Are you already allowed to travel abroad alone? Est-ce que tu peux déjà aller seul à l'étranger? Est-ce que tu peux déjà aller seul à l'étranger? May. To be allowed. Avoir le droit, pouvoir. Avoir le droit, pouvoir. May we smoke here? Est-ce que nous pouvons fumer ici? Est-ce que nous pouvons fumer ici? Is smoking allowed here? A-t-on le droit de fumer ici?
A-t-on le droit de fumer ici? May one pay by credit card? Est-ce qu'on peut payer avec une carte de crédit? Est-ce qu'on peut payer avec une carte de crédit? May one pay by check? Est-ce qu'on peut payer par chèque? Est-ce qu'on peut payer par chèque? May one only pay in cash? Peut-on payer seulement comptant? Peut-on payer seulement comptant? May I just make a call? Est-ce que je peux téléphoner? Est-ce que je peux téléphoner? May I just ask something? Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Est-ce que je peux vous demander quelque chose? May I just say something? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? He is not allowed to sleep in the park. Il ne peut pas dormir dans le parc. Il ne peut pas dormir dans le parc. He is not allowed to sleep in the car. Il ne peut pas dormir dans la voiture. Il ne peut pas dormir dans la voiture. He is not allowed to sleep at the train station. Il ne peut pas dormir dans la gare. Il ne peut pas dormir dans la gare. May we take a seat? Pouvons-nous prendre place? Pouvons-nous prendre place? May we have the menu? Pouvons-nous avoir la carte? Pouvons-nous avoir la carte? May we pay separately? Pouvons-nous payer séparément? 79. 79. Adjectives 2. Adjectif 2. Adjectif 2. I am wearing a blue dress. Je porte une robe bleue. Je porte une robe bleue. I am wearing a red dress. Je porte une robe rouge. Je porte une robe rouge. I am wearing a green dress. Je porte une robe verte. Je porte une robe verte. I'm buying a black bag. J'achète un sac noir. J'achète un sac noir. I'm buying a brown bag. J'achète un sac brun. J'achète un sac brun. I'm buying a white bag. J'achète un sac blanc. J'achète un sac blanc. I need a new car. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. I need a fast car. J'ai besoin d'une voiture rapide. J'ai besoin d'une voiture rapide. I need a comfortable car. J'ai besoin d'une voiture confortable. J'ai besoin d'une voiture confortable. An old lady lives at the top. En haut habite une vieille femme. En haut habite une vieille femme. A fat lady lives at the top. En haut habite une grosse femme. En haut habite une grosse femme. A curious lady lives below. En bas habite une femme curieuse.
En bas habite une femme curieuse. Our guests were nice people. Nos hôtes étaient des gens sympathiques. Nos hôtes étaient des gens sympathiques. Our guests were polite people. Nos hôtes étaient des gens polis. Nos hôtes étaient des gens polis. Our guests were interesting people. Nos hôtes étaient des gens intéressants. Nos hôtes étaient des gens intéressants. I have lovely children. J'ai des enfants affectueux. J'ai des enfants affectueux. But the neighbors have naughty children. Mais les voisins ont des enfants effrontés. Mais les voisins ont des enfants effrontés. Are your children well behaved? Est-ce que vos enfants sont sages? Est-ce que vos enfants sont sages? 90 90 90 Imperative 2 Impératif 2 Impératif 2 Shave Rase-toi Rase-toi Wash yourself Lave-toi. Lave-toi. Comb your hair. Coiffe-toi. Coiffe-toi. Call. Appelle, appeler. Appelle, appeler. Begin. Commence, commencer. Commence, commencer. Stop. Arrête, arrêtez. Arrête, arrêtez. Leave it. Laisse ça. Laissez ça. Laisse ça, laissez ça. Say it. Dis ça. Dites ça. Dis ça, dites ça. Buy it. Achète ça. Achetez ça. Achète ça, achetez ça. Never be dishonest. Ne sois jamais malhonnête. Ne sois jamais malhonnête. Never be naughty. Ne sois jamais insolent. Ne sois jamais insolent. Never be impolite. Ne sois jamais impoli. Ne sois jamais impoli. Always be honest. Sois toujours honnête. Sois toujours honnête. Always be nice. Sois toujours gentil. Sois toujours gentil. Always be polite. Sois toujours poli. Sois toujours poli. Hope you arrive home safely. Rentrez bien chez vous. Rentrez bien chez vous. Take care of yourself. Faites bien attention à vous. Faites bien attention à vous. Do visit us again soon. Revenez vite nous voir. Revenez vite nous voir. Quatre-vingt-quinze. Quatre-vingt-quinze. Conjunctions 2. Conjonction 2. Conjonction 2. Since when is she no longer working? Depuis quand ne travaille-t-elle plus?
Depuis quand ne travaille-t-elle plus? Since her marriage? Depuis son mariage? Depuis son mariage? Yes, she is no longer working since she got married. Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée. Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée. Since she got married, she's no longer working. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus. Since they have met each other, they are happy. Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux. Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux. Since they have had children, they rarely go out. Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement. Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement. When does she call? Quand téléphone-t-elle? Quand téléphone-t-elle? When driving? Pendant le trajet? Pendant le trajet? Yes, when she is driving. Oui, en conduisant. Oui, en conduisant. She calls while she drives. Elle téléphone en conduisant. Elle téléphone en conduisant. She watches TV while she irons. Elle regarde la télévision en repassant. Elle regarde la télévision en repassant. She listens to music while she does her work. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. I can't see anything when I don't have glasses. Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes. Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes. I can't understand anything when the music is so loud. Je ne comprends rien quand la musique est trop forte. Je ne comprends rien quand la musique est trop forte. I can't smell anything when I have a cold. Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume. Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume. We'll take a taxi if it rains. Nous prendrons un taxi s'il pleut. Nous prendrons un taxi s'il pleut. We'll travel around the world if we win the lottery. Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie. Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie. We'll start eating if he doesn't come soon. Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt. Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt. Soixante-neuf. To need, to want to. Avoir besoin, vouloir. Avoir besoin, vouloir. I need a bed. J'ai besoin d'un lit. J'ai besoin d'un lit. J'ai besoin d'un lit. I want to sleep. Je veux dormir. Je veux dormir. Is there a bed here? Y a-t-il un lit ici? Y a-t-il un lit ici? I need a lamp. J'ai besoin d'une lampe. J'ai besoin d'une lampe.
I want to read. Je veux lire. Je veux lire. Is there a lamp here? Y a-t-il une lampe ici? Y a-t-il une lampe ici? I need a telephone. J'ai besoin d'un téléphone. J'ai besoin d'un téléphone. I want to make a call. Je veux téléphoner. Je veux téléphoner. Is there a telephone here? Y a-t-il un téléphone ici? Y a-t-il un téléphone ici? I need a camera. J'ai besoin d'une caméra. J'ai besoin d'une caméra. I want to take photographs. Je veux prendre des photos. Je veux prendre des photos. Is there a camera here? Y a-t-il une caméra ici? Y a-t-il une caméra ici? I need a computer. J'ai besoin d'un ordinateur. J'ai besoin d'un ordinateur. I want to send an email. Je veux envoyer un email. Je veux envoyer un email. Is there a computer here? Y a-t-il un ordinateur ici? Y a-t-il un ordinateur ici? I need a pen. J'ai besoin d'un stylo. J'ai besoin d'un stylo. I want to write something. Je veux écrire quelque chose. Je veux écrire quelque chose. Is there a sheet of paper and a pen here? Y a-t-il une feuille de papier et un stylo ici? Y a-t-il une feuille de papier et un stylo ici? Seventeen. 17. 17. Around the house. À la maison. À la maison. Our house is here. Voici notre maison. Voici notre maison. The roof is on top. Le toit est en haut. Le toit est en haut. The basement is below. La cave est en bas. La cave est en bas. There is a garden behind the house. Il y a un jardin derrière la maison. Il y a un jardin derrière la maison. There is no street in front of the house. Aucune rue ne passe devant la maison. Aucune rue ne passe devant la maison. There are trees next to the house. Il y a des arbres à côté de la maison. Il y a des arbres à côté de la maison. My apartment is here. Voici mon appartement. Voici mon appartement. The kitchen and bathroom are here. Voici la cuisine et la salle de bain. Voici la cuisine et la salle de bain. The living room and bedroom are there. Voilà la salle de séjour et la chambre à coucher. Voici la salle de séjour et la chambre à coucher. The front door is closed. La porte d'entrée est fermée. La porte d'entrée est fermée. But the windows are open. Mais les fenêtres sont ouvertes. Mais les fenêtres sont ouvertes. It is hot today.
Il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud aujourd'hui. We are going to the living room. Nous allons dans la salle de séjour. Nous allons dans la salle de séjour. There is a sofa and an armchair there. Il y a un sofa et un fauteuil. Il y a un sofa et un fauteuil. Please sit down. Asseyez-vous. Asseyez-vous. My computer is there. Mon ordinateur est là-bas. Mon ordinateur est là-bas. My stereo is there. Ma chaîne stéréo est là-bas. Ma chaîne stéréo est là-bas. The TV set is brand new. La télévision est toute neuve. La télévision est toute neuve. 29. 29. 29. At the restaurant, 1. Au restaurant, 1. Au restaurant, 1. Is this table taken? Est-ce que cette table est libre? Est-ce que cette table est libre? I would like the menu, please. Je désirerais la carte. Je désirerais la carte. What would you recommend? Qu'est-ce que vous nous recommandez? Qu'est-ce que vous nous recommandez? I'd like a beer. J'aimerais une bière. J'aimerais une bière. I'd like a mineral water. J'aimerais une eau minérale. J'aimerais une eau minérale. I'd like an orange juice. J'aimerais un jus d'orange. J'aimerais un jus d'orange. I'd like a coffee. J'aimerais un café. J'aimerais un café. I'd like a coffee with milk. J'aimerais un café au lait. J'aimerais un café au lait. With sugar, please. Avec du sucre, s'il vous plaît. Avec du sucre, s'il vous plaît. I'd like a tea. Je désirerais un thé. Je désirerais un thé. I'd like a tea with lemon. Je désirerais un thé au citron. Je désirerais un thé au citron. I'd like a tea with milk. Je désirerais un thé au lait. Je désirerais un thé au lait. Do you have cigarettes? Avez-vous des cigarettes? Avez-vous des cigarettes? Do you have an ashtray? Avez-vous un cendrier? Avez-vous un cendrier? Do you have a light? Avez-vous du feu? Avez-vous du feu? I'm missing a fork. Je n'ai pas de fourchette. Je n'ai pas de fourchette. I'm missing a knife. Je n'ai pas de couteau. Je n'ai pas de couteau. I'm missing a spoon. Je n'ai pas de cuillère. Je n'ai pas de cuillère.
50 languages. Eighty-eight. 88. 88. Past tense of modal verbs 2. Passé des modaux 2. Passé des modaux 2. My son did not want to play with the doll. Mon fils ne voulait pas jouer à la poupée. Mon fils ne voulait pas jouer à la poupée. My daughter did not want to play football. Ma fille ne voulait pas jouer au football. Ma fille ne voulait pas jouer au football. My wife did not want to play chess with me. Ma femme ne voulait pas jouer avec moi aux échecs. Ma femme ne voulait pas jouer avec moi aux échecs. My children did not want to go for a walk. Mes enfants ne voulaient pas faire de promenade. Mes enfants ne voulaient pas faire de promenade. They did not want to tidy the room. Ils ne voulaient pas ranger la chambre. Ils ne voulaient pas ranger la chambre. They did not want to go to bed. Ils ne voulaient pas aller au lit. Ils ne voulaient pas aller au lit. He was not allowed to eat ice cream. Il n'avait pas le droit de manger de glace. Il n'avait pas le droit de manger de glace. He was not allowed to eat chocolate. Il n'avait pas le droit de manger de chocolat. Il n'avait pas le droit de manger de chocolat. He was not allowed to eat sweets. Il n'avait pas le droit de manger de bonbons. Il n'avait pas le droit de manger de bonbons. I was allowed to make a wish. Je pouvais me souhaiter quelque chose. Je pouvais me souhaiter quelque chose. I was allowed to buy myself a dress. Je pouvais m'acheter une robe. Je pouvais m'acheter une robe. I was allowed to take a chocolate. Je pouvais prendre un praliné. Je pouvais prendre un praliné. Were you allowed to smoke in the airplane? Est-ce que tu pouvais fumer dans l'avion? Est-ce que tu pouvais fumer dans l'avion? Were you allowed to drink beer in the hospital? Est-ce que tu pouvais boire de la bière à l'hôpital? Est-ce que tu pouvais boire de la bière à l'hôpital? Were you allowed to take the dog into the hotel? Est-ce que tu pouvais amener le chien à l'hôtel? Est-ce que tu pouvais amener le chien à l'hôtel? During the holidays, the children were allowed to remain outside late. Pendant les vacances, les enfants avaient la permission de rester longtemps dehors. Pendant les vacances, les enfants avaient la permission de rester longtemps dehors. They were allowed to play in the yard for a long time. Ils avaient la permission de jouer longtemps dans la cour. Ils avaient la permission de jouer longtemps dans la cour. They were allowed to stay up late. Ils avaient la permission de veiller tard. Ils avaient la permission de veiller tard. 4. 4. 4. At school. À l'école. À l'école. Where are we? Où sommes-nous? Où sommes-nous? We are at school. Nous sommes à l'école.
Nous sommes à l'école. We are having class. Nous avons cours. Nous avons cours. Those are the school children. Ce sont les élèves. Ce sont les élèves. That is the teacher. C'est l'institutrice. C'est l'institutrice. That is the class. C'est la classe. C'est la classe. What are we doing? Que faisons-nous? Que faisons-nous? We are learning. Nous apprenons. Nous apprenons. We are learning a language. Nous apprenons une langue. Nous apprenons une langue. I learn English. J'apprends l'anglais. J'apprends l'anglais. You learn Spanish. Tu apprends l'espagnol. Tu apprends l'espagnol. He learns German. Il apprend l'allemand. Il apprend l'allemand. We learn French. Nous apprenons le français. Nous apprenons le français. You will learn Italian. Vous apprenez l'italien. Vous apprenez l'italien. They learn Russian. Ils apprennent le russe. Ils apprennent le russe. Learning languages is interesting. Apprendre des langues est intéressant. Apprendre des langues est intéressant. We want to understand people. Nous voulons comprendre les gens. Nous voulons comprendre les gens. We want to speak with people. Nous voulons parler avec les gens. Nous voulons parler avec les gens. Dialogue first time. Ah, c'est enfin l'été. Oui, mais il fait chaud aujourd'hui. Tu veux une glace, mon amour? Oui, au chocolat. Deux boules. Dialogue second time. Ah, c'est enfin l'été. Oui, mais il fait chaud aujourd'hui. Tu veux une glace, mon amour? Oui, au chocolat. Deux boules. Translation comes first. Ah, c'est enfin l'été. Ah, oh, it's finally summer. Ah, c'est enfin l'été. Ah, oh, it's finally summer. Ah, c'est enfin l'été. Oui, mais il fait chaud aujourd'hui. Yeah, but it's hot today. Oui, mais il fait chaud aujourd'hui. Yeah, but it's hot today. Oui, mais il fait chaud aujourd'hui. Tu veux une glace, mon amour? Do you want ice cream, my love? Tu veux une glace, mon amour? Do you want some ice cream, honey? Tu veux une glace, mon amour? Oui, au chocolat. Deux boules. Yeah, chocolate. Two scoops. Oui, au chocolat. Deux boules. Yes, chocolate. Two scoops. Oui, au chocolat. Deux boules. Omri, this whole dialogue puts me in the best mood. There's so many great things. We got ice cream, we have summer. Yeah. It's hot. It's a happy dialogue. We have the one of my favorite places in Paris. Le jardin du Luxembourg. So they're walking around and the guy says, ah, c'est enfin l'été. Okay, there's two parts. The second part is where we get to learn how to say summer. L'été. L'été. Mm-hmm. What's the other part? C'est enfin. It's finally. Mm-hmm.
So you can say that for a lot of things. Here we're, c'est ton fin d'été. Yeah. But you can say like, oh, c'est ton fin Friday. Exactement. C'est ton fin Noël. It's funny Christmas. Mm-hmm. Right now it's c'est ton fin d'été. Yes. And that's true for us right now too. Yay, c'est ton fin d'été. So she doesn't seem as happy that it's l'été. Oui, mais il fait chaud aujourd'hui. Okay, we're going to look at that in three separate parts. The first. Oui, mais. Yeah, but. Well, he's a maid to all things. Unfortunately, even if the Jardin de Luxembourg. So, oui, mais what? Il fait chaud. It's hot. Mm-hmm. You should learn it as one fixed expression. So when you want to talk about the air temperature, you say. Just say, il fait chaud. Il fait chaud. You could say, il fait chaud outside. Yeah, il fait chaud in the room. Like this room? Yeah, it's true, actually. It is actually a little chaud in here. Okay, so she's not talking about it, that il fait chaud l'été in general. No. She's making a specific time. It is chaud. Aujourd'hui. Today. That's it. Let's focus on the pronunciation of that. Can you say it? It's not that difficult. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Yay. Can you say this whole sentence one more time? Oui, mais il fait chaud aujourd'hui. Now, the man in this dialogue is so nice. Yeah. He's like the greatest boyfriend or husband ever. He's got the solution. Tu veux une glace, mon amour? So first he asks her if she wants something. Tu veux une glace? Okay, so the first part. Tu veux? Means do you want. Yeah. For example, Henri, tu veux une bite of my sandwich? Tu veux some cheese? Here, what is he offering? Not the cheese. Une glace. Some ice cream. Yeah, glace. And that's a feminine noun, so we say... Une glace. Okay, une glace. Then the perfect ending to the sentence, mon amour. My love. What a romantic guy. Tu veux une glace, mon amour. That's nice. Would you say that to your girlfriend? Always. Okay, so my love sounds like really strong, I think, in English. But in French, it's not really, right? It's maybe equivalent to honey. Yeah, it's a common phrase in between couple. The way honey or sweetie. Mon amour. Yeah. Does she want some glass? Oui, au chocolat. So if you want to say what kind of flavor you want, mm-hmm. Can you just say chocolat by itself? No. You have to add that O in there. Yeah, yeah. Now, for the people who are vanilla lovers, what would they say? We would say glace à la vanille. Okay, glace à la vanille. Yeah. Chocolate, glace au chocolat. Mm-hmm. Okay, and there you go. That should be enough for now. Because everybody's one or the other. They're a chocolat or they're a vanille person. Yeah. What about you? Chocolat. Me too. Okay. Now, this next expression is really important if you're an ice cream eater in Paris, all right? So listen up. Pay attention. Yeah. Deux boules. Two scoops. Now, the word boule means scoop. Yeah. It really means ball, right? Yeah, the translation is ball, but... Because they're shaped like balls, scoops. Mm-hmm. But if you go and order ice cream in Paris at these guys in the stands, they'll ask you... Une boule, deux boules... So no, you need to know what boule means to make sure mm-hmm, that you get your scoops. So this will be a useful expression if you want to go order some ice cream. Definitely. Let's listen to the dialogue three more times. Dialogue first time. Ah, c'est enfin l'été. Oui, mais il fait chaud aujourd'hui. Tu veux une glace, mon amour? Oui, au chocolat. Deux boules. Dialogue, second time. Ah, c'est enfin l'été. Oui, mais il fait chaud aujourd'hui. Tu veux une glace, mon amour? Oui, au chocolat. Deux boules.